La collectivité vous le demande. Refaites la première traversée aérienne de l'océan. Tous ensemble, chantez la partie musicale. Voici ton appareil. Monte. Là-bas, en Europe, on t'attend. La gloire t'appelle. Je monte dans mon appareil. Scandi, est-ce vrai que tu n'avais plus ton chapeau de paille et que tu es monté dans l'avion tel du Nézéolé? Tu as un vieux coucou pareil. Tu veux traverser l'Atlantique sans être accompagné des navigateurs, sans boussole et sans eau. Peu importe. Mon nom. J'ai 25 ans. Mon grand-père était suédois. Et moi, je suis américain. Mon avion, c'est moi qui l'ai choisi. Il vole à 210 km à l'heure et s'appelle Spirit of St. Louis. Les usines Ryan de San Diego l'ont construit en 60 jours. Et moi, j'étais présent. Ces 60 jours-là. J'ai mis 60 jours pour tracer sur des cartes terrestres ou marines ma route. Je suis tout seul à bord. Au lieu de prendre un homme, j'embarque plus d'essence. L'avion dans lequel je vole n'a pas de radio. Je dispose de la meilleure boussole qui soit. 3 jours, j'ai attendu un temps plus favorable. Mais les bulletins des stations météo ne sont pas bons. Et le temps ne va pas s'améliorer. Brouillard sur les côtes et sur la mer. Tempête. Mais je n'attendrai pas une heure de plus. Maintenant, je m'embarque. Je risque le coup. J'emporte avec moi deux lampes électriques, une boîte d'allumettes étanches, un bateau pneumatique, un gros bidon, un bouteillon d'eau, un rouleau de câble, 5 torches rouges enfermées dans des tubes de caoutchouc, un couteau de chasse, un rouleau de ficelle, une pioche, 5 rations de survie, conserve de l'armée américaine. Chacune permet de tenir un jour, même plus en cas de besoin. Une scie, une longue aiguille. Maintenant, je m'envole. Pendant 2 décennies,
On a fait gloire à un homme, Blériot, d'avoir franchi 30 misérables kilomètres d'eau salée. Moi, j'en franchis 30 000. De New York. Ce matin, à 8h, un homme s'est envolé de New York en direction de votre continent, par-dessus l'océan. Pour le 7h, il est en route. Il ne nous a pas donné signe de vie. Et nous demandons à tous les navires de nous prévenir s'ils l'aperçoivent. Si je n'arrive pas, personne ne me verra plus. Je suis le brouillard, et quiconque s'en va sur l'eau doit compter avec moi. Pendant 1000 ans, on n'a vu personne prétendre voler dans les airs. Qui donc es-tu, toi? Mais nous allons faire en sorte que demain, comme hier, personne ne vole dans les airs. Je suis le brouillard.
Fais demi-tour. Ce que tu dis là mérite qu'on y réfléchisse. Si tu deviens encore plus épais, peut-être ferai-je effectivement demi-tour. Si toute perspective est bouchée, j'abandonnerai la lutte. Je ne pose pas l'alternative d'être couvert de gloire ou de couronne. Mais pour l'instant, je ne fais pas encore demi-tour. Tu te sens fort encore parce que tu ne me connais pas. Tu aperçois encore au-dessous de toi un petit carré d'eau et tu sais distinguer ta droite de ta gauche. Mais laisse donc passer une nuit et un jour sans apercevoir d'eau, sans distinguer le ciel, non plus que ton manche à balai ou même ta boussole. Vieillis un peu, et tu sauras alors qui je suis. Je suis le brouillard. Cet homme, on construit mon appareil à San Diego à l'aide de quelques mètres de tôle et de tubes, peinant souvent 24 heures d'affilée. Ce qu'ils ont construit doit me suffire à moi. Ils ont travaillé. Et moi, je continue leur œuvre. Je ne suis pas seul. Nous sommes 8 qui volons dans cet avion. À présent, tu as 25 ans. Et tu ne crains pas grand-chose. Mais quand tu auras 25 ans et une nuit et un jour, tu craindras plus de choses. Après-demain, et dans 1000 ans encore, il y aura ici de l'eau, de l'air et du brouillard. Mais il n'y aura plus de toi. Jusqu'ici, il faisait jour. À présent, vient la nuit. Il y a 10 heures que je me bats contre un homme qui vole dans les airs, ce qu'on n'a pas vu depuis 1000 ans. Je n'arrive pas à l'abattre. Je te le passe, tempête de neige. Te voilà maintenant, tempête de neige. Depuis 1 heure, il y a en moi une faim et à la vie. Tantôt très haut, au-dessus de moi, tantôt en bas, au ras de l'eau. Depuis 1 heure, je le projette contre l'eau et contre le ciel. Il ne peut se maintenir. Mais il ne sombre pas. Il tombe vers le ciel et monte vers la mer. Il est plus fragile qu'un arbre sur le rivage. Sans force. Pareil à une feuille privée de branches, mais il ne sombre pas. Il aperçoit que cette femme ne sait pas où il est, ni même sa propre main, mais il ne sombre pas. Sur son appareil, j'ai amassé de la glace pour qu'ainsi alourdie vers le bas, elle l'entraîne. Mais la glace se détache de l'avion et celui-ci ne s'abat pas. Il ne s'abat pas. Impossible de continuer. Je vais tomber dans l'eau. Qui aurait pu s'imaginer pour en vivre l'un en plus?
de la glace. Je suis monté à 3000 mètres et descendu à 3 mètres de l'eau. Mais le brouillard, la tempête et la glace sont partout. Pourquoi ai-je été assez fou pour monter dans cette affaire? Maintenant, j'ai peur de mourir. Maintenant, je sombre. Puissais-je ne pas être pire qu'eux? Je ne dois pas dormir. C'est encore loin. Repose-toi. Pense au chant du Missouri, à la rivière, à la maison. Chez toi, je ne suis pas fatigué. Bien des gens disent « Le monde est vieux. » Mais moi, j'ai toujours su que nous vivons des temps nouveaux. Je vous le dis, ces maisons qui depuis 20 ans sortent de terre, pareilles à des massifs d'acier, n'ont pas surgi toutes seules. Bien des gens viennent chaque année s'installer à la ville dans l'attente des lendemains. Et les continents sont pris d'un grand rire car l'immense océan dont on avait si peur n'est qu'une flaque d'eau. Déjà, je franchis le premier, l'Atlantique. Mais je suis convaincu que dès demain, mon exploit vous fera sourire. Mais, ce faisant, nous livrons bataille à l'anachronique. Dans un effort constant pour refaire la planète, lutte semblable à l'économie dialectique par laquelle le monde sera transformé de fond en comble. Par conséquent, luttons contre la nature et façonnons par là notre nature. Car pas plus que notre technique, nous ne sommes naturels.
nous sommes anachroniques. Les bateaux à vapeur se sont attaqués aux voiliers qui avaient laissé loin derrière eux les bateaux à rame. Mon avion surclasse les bateaux à vapeur. Ainsi, je me bats contre l'anachronique. Mon avion, fragile, secoué de tremblements, les appareils imparfaits sont bien meilleurs que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Mais pilotant mon avion, je me bats contre mon avion et contre l'anachronique. Ce faisant, je me bats contre la nature et contre moi-même. Peu importe qui je suis, les sottises que je crois. En vol, je suis athée, effectivement. Pendant 10 millénaires, dès que les flots s'assombrissaient, entre lumière et crépuscule, apparaissait au firmament, inexorablement, Dieu. Et de même, au-dessus des montagnes, couvertes de glace incorrigible, les hommes ignorants apercevaient Dieu. Et dans le désert, il était dans les tempêtes de sable. Et dans les villes, il naissait de l'ordre incohérent, constituant les hommes en classe, car l'humanité se divise en deux. Exploitation et ignorance. Mais la révolution le supprimera. Tracer des routes à travers les montagnes, et il s'évanouira. L'eau le chassera du désert, la lumière révélera le vide et le fera fuir aussitôt. Donc, prenez votre part du combat contre l'anachronique. Aidez-vous aussi à supprimer l'au-delà et à faire fuir Dieu, quel qu'il soit ou qu'il paraisse. Un microscope plus puissant lui sera fatal. Le perfectionnement des appareils le chassera des airs. L'assainissement des villes, l'anéantissement de la misère le feront disparaître et le renverront au premier millénaire. Même dans les cités modernes, subsiste encore le désordre que l'ignorance engendre et qui ressemble à Dieu. Mais les machines et les travailleurs le combattront. Alors, vous aussi, prenez votre part du combat contre l'anachronique. Voilà que l'eau se rapproche de nouveau. Il me faut prendre de la hauteur. Ce vent vous rabat. Maintenant, ça va mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? La direction ne braque plus à droite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on entend, n'est-ce pas un bruit dans le moteur? Voilà que l'appareil pique de nouveau. Halte ! Mon Dieu. Pour un peu, elle nous aurait engloutis.
l'océan. En dépit de la mauvaise météo, des imperfections de son appareil trop léger, tout le monde aux États-Unis croit qu'il arrivera. Jamais écrit un journal, on a cru qu'un homme chez nous avait autant de chance que lui. Celui qui a pas chance. Quand il survole la mer, le tempête s'abaisse. Si le tempête ne s'abaisse pas, le moteur fera ses preuves. Et si le moteur vient à flancher, c'est l'homme qui fera ses preuves. Et si l'homme ne fait pas ses preuves, je vois la chance. Voilà pourquoi nous croyons que cet homme à qui tout réussit arrivera. Deux continents. Deux continents m'attendent. Qui attend-on déjà? D'ailleurs, même celui qu'on n'attend pas se doit d'arriver. Le courage n'est rien. Arriver est tout. Quiconque part pour survoler la mer et se noie est un sacré fou. Car en mer, on se noie. Il me faut donc arriver. Le vent rabat vers la mer et le brouillard désempare. Alors il me faut arriver. C'est vrai, mon avion est fragile et mon cerveau débile. Et en Europe, on dit, il arrivera. Alors, il me faut arriver. As-tu assez d'huile? Penses-tu avoir assez d'essence? N'as-tu pas trop chaud? Te sens-tu bien? La glace qui t'oppressait a déjà complètement disparu.
brouillard, c'est mon affaire. Toi, fais ton travail, tu n'as qu'à tourner. Souviens-toi, à Saint-Louis, nous deux, nous avons tenu l'air plus longtemps. Ce n'est plus très loin. Voilà déjà l'Irlande. Après, c'est Paris. Allons-nous réussir? Toi et moi. Emmenez-moi dans un hangar sombre, que personne ne voit ma faiblesse physique. Mais annoncez à mes camarades des usines Ryan de San Diego qu'ils ont fait du bon travail. Votre moteur a tenu. Il n'y avait dans leur travail aucune faute. À l'époque où l'humanité commença de s'éveiller, nous avons construit des véhicules avec du bois, du métal et du verre, et nous nous sommes envolés à travers l'espace. Nous allions 3 fois plus vite que l'ouragan, avec notre moteur plus puissant que 100 chevaux, mais plus petit qu'un seul. 1000 ans durant, rien qui ne chute du haut vers le bas, hormis l'oiseau.